ungodly is not so. And he won't stand with him in the judgment. See? Now, he shall bring forth his fruit in his season. Watch each his, the personal pronoun there. It's his fruit. Amen. God's fruit in the season that the prophet is bringing it. It'll Amen. Be in the prophet's season, God's fruit in God's time by the prophet's season. Yes, Lord. Amen. He shall bring forth his fruit in his season. See if there is a two his there. Bring forth his, God's fruit. See? In the season that the messenger is ordained to come, he'll bring forth those. I remember that. The messenger that brings the fruit of God will bring it in God's season, in the season of the bringer. Amen. He will bring forth his fruit in his season. Bonjour mes amis, que le Seigneur vous bénisse richement. Je veux venir vers vous à la faveur de la matinée pour évoquer un petit sujet avec l'espoir que ceci éveille l'attention d'un bien-aimé, d'une bien-aimée quelque part, et pour que cette personne prenne conscience des temps dans lesquels nous vivons et des enjeux de l'heure. Sans perdre de temps, je vais aller directement dans mon sujet. Je voudrais parler aujourd'hui des églises qui sont désormais des églises masquées ou qui organisent des cultes masqués. Dans le monde, on parle des bals masqués. Un bal masqué, et voici la définition qui est faite de bal masqué. Un bal masqué, parfois nommé aussi mascarade, est un événement auquel les gens participent vêtus d'un costume ou d'un déguisement, comportant normalement un masque. Donc, dans le monde, on parle des bals masqués. Maintenant, aujourd'hui, on a des églises masquées. Donc, on va des bals masqués aux églises masquées ou des bals masqués aux cultes masqués. Nous sommes en train de tomber dans une distraction qui ne dit pas son nom. La peur du coronavirus, la peur de voir nos églises fermées, parce qu'apparemment nos églises sont bien implantées dans nos cœurs, la peur de ne plus fonctionner comme habituellement au sein des églises, tout cela nous amène à faire des compromis. Vous savez, avec l'avènement du COVID-19, lorsque moi je vais au travail aujourd'hui, la première chose que je fais dès que j'arrive, c'est le prélèvement de la température corporelle. Si par malheur je fais de la fièvre, je suis poliment prié de rentrer chez moi à la maison et de ne pas revenir avant 14 jours. C'est-à-dire que je dois me plier au protocole COVID. Il faut 14 jours pour que je revienne au travail. Et pour que je revienne au travail, il faut que j'aille mieux. Bien sûr, il faut le préciser. Aujourd'hui, il y a le déconfinement progressif dans différents pays à travers le monde. Même si le coronavirus est en train de frapper à nouveau, on apprend qu'en Chine, là-bas, les autorités ont décidé de remettre en place des mesures de lockdown, donc de confinement. L'Inde, je regardais hier aux informations, l'Inde, c'est vraiment la catastrophe. Les hôpitaux sont pleins, les gens meurent là, les cadavres sont maintenus là aux côtés d'autres malades, parfois pendant 2 à 3 jours. Je regardais ça hier. Alors, je disais tantôt que le déconfinement progressif dans certains pays a également entraîné la réouverture des lieux de culte, notamment des églises. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les autorités ont décidé que bien qu'on vous permette de vous rassembler à nouveau, mais vous devez respecter les mesures donc
de distanciation sociale qu'on appelle sous d'autres cieux aussi les mesures barrières. Et les pasteurs des églises sont obligés de se plier à ces exigences parce qu'ils veulent voir leurs églises rouvertes. C'est leur droit. Mais là où le bât blesse, c'est que désormais, quand les membres viennent à l'église, les croyants viennent à l'église, avant d'avoir accès au lieu de culte, on leur prélève la température corporelle. Et si par malheur, je dis bien si par malheur, un croyant fait de la fièvre, le pasteur est tenu de respecter les consignes des autorités, c'est-à-dire ne pas donner accès à ce croyant fiévreux au lieu de culte. Donc le pasteur sera obligé de renvoyer ce frère-là chez lui parce qu'il fait de la fièvre. Il ne va pas lui donner accès au lieu de culte. Mais nous sommes distraits parce que là, nous sommes en train de briser la parole. Et entre autres mesures barrières, là, les mesures qu'il faut respecter, là, il y a le prélèvement de la température, il y a la distance d'1 mètre ou 1,5 mètre entre deux personnes, il y a le port de masque dans l'église, et je suis sûr qu'on ne se salue même pas à l'intérieur, parce que c'est celle-là les consignes. Maintenant, un frère arrive à l'entrée, on lui prélève la température corporelle devant l'église. S'il fait de la fièvre, il n'a pas accès au lieu de culte, il lui est prié de rentrer chez lui. Parce qu'on le soupçonnerait d'être atteint du COVID-19 et si on lui donne accès au lieu de culte, il peut contaminer d'autres personnes. Mais que dit la parole dans tout cela? Est-ce que la parole nous a dit que si quelqu'un, un frère, vient à l'église et qu'il est dans un état fiévreux, qu'il faille le renvoyer chez lui? Est-ce que la parole a dit de lui interdire le lieu de culte? À qui choisissons-nous d'obéir? D'obéir à aux mesures que les autorités là ont mises en place, ou bien nous voulons obéir à la parole? Parce que voici ce que dit la parole. Si tant est que nous voulons vraiment appliquer la parole et ouvrir nos églises et recevoir les gens. La parole dit, dans Jacques 5, 14 à 15, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Mais que faisons-nous de cette écriture? Elle dit, dans notre envie de vouloir bien faire, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes en train de briser la parole. Comment pouvons-nous accepter qu'un croyant vienne à l'église parce que vous, pasteur, vous avez décidé qu'on ouvre les portes et que les croyants viennent prier? Et maintenant, vous êtes là avec le thermomètre en train de prendre la température. Et parce que le frère ou la sœur est dans un état fiévreux, vous allez lui dire, tu ne peux pas avoir accès à l'église. Mais pourquoi? Parce que ce sont les consignes que nous avons reçues des autorités, comme tu fais la fièvre. Mais où sont les anciens de l'église pour prier pour ce frère? Où sont les anciens de l'église pour oindre d'huile ce frère et prier pour lui? Où sont les anciens de l'église pour appliquer la prière de la foi pour que le frère, la fièvre puisse disparaître pour permettre au frère d'entrer dans le lieu de culte, si tant est que c'est la parole qu'on écoute là-bas, puisqu'il est venu pour écouter la parole? Que faisons-nous de ça? Dans notre volonté de voir l'église rouvrir, ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre. Mais dans notre volonté de bien faire, nous sommes en train de mal faire parce que c'est un coup en réalité que nous donnons à la parole. On prélève la fièvre. Et on prélève la température tant pour moi pour voir si le frère ou la sœur fait ou non de la fièvre. Ensuite, il faut être distancié dans l'église. On ne peut plus s'asseoir comme on le faisait à l'époque. Il faut une certaine distance entre deux personnes. Donc, pour une église qui contenait 100 personnes aujourd'hui, elle peut contenir à peu près que 50 personnes, voire même 40. Et les autres sont obligés de rester à l'extérieur dans la voiture et de suivre le service à partir de la voiture. Pourquoi? Parce que si on entre tous, on va s'entasser. Mais pourquoi brûler des litres de carburant pour venir rester à l'extérieur? Dans ce cas, il faut juste rester à la maison et suivre le service à partir de la maison. Il y a lieu de rester à la maison et de suivre le service à partir de la maison. Pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce que nous sommes en réalité en train de faire des compromis avec la parole.
Et une fois dans l'église, on porte le masque. On porte le masque dans l'église. C'est pourquoi j'ai parlé des bals masqués. Donc, on va désormais des bals masqués à l'église masquée. Des bals masqués au culte masqué. Et dans l'église, on porte le masque. Et pourquoi on porte le masque? Parce qu'on ne veut pas contaminer la personne qui est à côté. Et on ne veut pas être contaminé par la personne qui est à côté. Être contaminé de quoi? Du COVID-19. Mes frères et sœurs, j'ai envie de dire ceci. Que peu importe la beauté du nom de ce virus, coronavirus alias COVID-19, mais c'est un démon. Donc, madame nous a dit que la maladie, peu importe le nom qu'elle porte, c'est avant tout un démon. Un démon à qui on a donné, un démon auquel on a donné un nom. Alors, le coronavirus est un démon. Mais quand nous organisons des cultes masqués, des cultes où les gens sont masqués, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans nos têtes, nous admettons qu'au milieu de nous, le COVID est là. Ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a un démon présent appelé COVID-19, coronavirus. Quand vous portez un masque dans l'église, consciemment là, ou inconsciemment là, vous admettez la présence d'un démon au milieu de vous. Mais comment se fait-il qu'un ministre puisse prononcer le nom de Jésus devant des gens masqués? Masqués à cause d'un démon et ne pas au préalable expulser ce démon, chasser le dit démon de l'église. Comment est-ce possible qu'un pasteur se tienne du haut de la chaire, qu'un ministre se tienne du haut de la chaire et il voit des gens masqués? Vous êtes masqués pourquoi? À cause du COVID-19, à cause d'un démon. Parce que je ne veux pas contaminer l'autre, parce que je ne veux pas être contaminé. Donc, psychologiquement, vous savez que le COVID est là au milieu de vous, un démon. Et vous avez culte avant même de pouvoir chasser ce démon. Mais où est la puissance que l'Église est censée avoir? Où est cette armée invincible dont Frère Branham a parlé dans l'exposé des âges de l'Église? Et quand nous acceptons que des gens passent le culte étant masqués, mais c'est de la distraction. Voilà la preuve qu'on est distrait. Et quand les gens vont refuser de venir à l'église, vous êtes les premiers, vous serez les premiers à leur dire non, voilà, vous qui ne voulez pas venir à l'église, voilà, vous avez des démons. Les églises ont rouvert les portes. Si vous ne venez plus, vous avez des démons. Mais pourquoi vous allez accuser des gens qui sont restés à la maison d'avoir des démons quand vous permettez vous-même un démon au milieu de vous, rien que par les masques que vous portez au sein de l'église et vous prononcez le nom de Jésus? Vous voyez seulement les démons qui sont dans les gens qui sont restés chez eux, qui ne veulent pas venir à l'église là. Parce qu'ils peuvent écouter la parole chez eux. Mais vous ne voyez pas le démon que vous admettez au milieu de vous. Premièrement, en prélevant la température à l'entrée, si un frère est malade, vous le renvoyez. Vous ne priez pas pour lui selon Jacques 5, 14 à 15. Vous ne voyez pas que vous avez déjà admis ce démon là chez vous, dans votre église. Vous voyez seulement les démons qui sont sur les gens qui sont restés à la maison, mais vous ne voyez pas le démon que vous admettez au milieu de vous quand vous assistez au culte avec des masques, des cultes masqués, une église masquée. Vous ne voyez pas ce démon-là au milieu de vous. Vous voyez seulement les démons qui sont dans les personnes, soi-disant dans les personnes qui sont restées à la maison, parce que ces personnes estiment que la période n'est pas propice. La période n'est pas bonne, même si les autorités ont dit qu'on rouvre les églises. Mais à cause de ce qu'on nous impose, une certaine conduite dans l'église, autant que je reste à la maison pour y écouter la parole. William Branham dit que l'église, c'est partout où vous vous réunissez. L'église, c'est la parole. C'est ce que dit Frère Branham. Qu'avons-nous fait de Marc 16? Que disons-nous de Marc 16? Je vais lire cela. Marc chapitre 16. Les versets 17 et 18. Je vais lire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, vous êtes des croyants, vous êtes dans l'église et vous avez le masque à cause du COVID-19.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, en plus de l'écriture même de Jacques 5, 14 à 15, il y a Marc 16 qui est là. Quelqu'un, vous prélevez la température à un frère ou à une soeur à l'entrée. Si cette personne fait de la fièvre, ne la renvoyez pas. Imposez-lui les mains. Et la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi fera que le COVID ne vous touche pas. La prière de la foi fera que le COVID ne vous atteigne pas. Mais que faisons-nous de toutes ces choses? Non, parce que nous voulons juste voir nos églises ouvertes. Alors nous avons tellement soif d'être dans l'église qu'on prend la parole, on la met de côté. On a perdu même notre lucidité. Nous avons perdu notre lucidité. C'est un gros problème. Rapidement, je voudrais dire que je connais une sœur avec qui j'ai parlé, qui m'a donné son témoignage, qui travaille dans le corps médical. Qui, comme ça, un jour, elle est allée sur le lieu de travail parce qu'elle est au contact des malades du COVID. On lui a dit non, on va tester tous les employés pour voir si vous n'avez pas attrapé la maladie. Quand on l'a testé, on a dit, mais toi, tu as attrapé le COVID, mais tu as été immunisé. Dit comment? Oh, mais tu as été immunisé, tu as attrapé le COVID, mais tu as été immunisé. C'est qu'elle me dit, frère Fernand, tu sais, un jour j'étais à la maison, j'ai commencé à sentir, je ne me sentais pas bien, c'était comme des maux de tête et tout. Elle dit, peut-être que je ne dis pas bien le témoignage, mais c'est vraiment ça. Elle dit, j'ai dit, toi là, COVID, si c'est toi là, tu t'es trompé d'adresse, c'est mieux que tu repartes. Tu n'as pas de place ici parce que frère Joseph nous a dit d'appliquer le signe. Moi, j'ai appliqué le signe. Si c'est ici que tu es venu là, si c'est toi, lève-toi déjà, va-t'en. Parce que là, tu t'es trompé d'adresse. Elle dit que c'est après cela qu'on l'a testé, on a dit que non, elle a attrapé ça, mais qu'elle a été immunisée. Donc son organisme a bien réagi à cela. Elle n'a pas fait la maladie et personne chez elle n'a été contaminé. Pourquoi? Parce qu'elle a cru ce qu'a dit Joseph Branham. Elle a cru ce qu'a dit un prophète qui a dit que c'est vrai que le COVID est là, c'est en train de frapper, mais nous sommes à gauche, nous sommes protégés. Frère Joseph a dit, appliquez le signe. Et cette sœur a dit, j'ai appliqué le signe. Les examens vont révéler qu'elle a eu ça. Elle n'a pas fait la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle a appliqué la foi. Maintenant, nous ouvrons les églises. Nous prélevons la température à l'entrée. Nous acceptons d'avoir des cultes masqués. Des réunions d'églises masquées. Admettant au milieu de nous la présence d'un démon. Pourquoi nous n'appliquons pas Marc 16? En mon nom, vous chasserez les démons. Le COVID-19 ou la COVID, parce que finalement, ici on dit la COVID, l'autre là-bas on dit le COVID, je ne sais même pas. Ce démon, il a quel sexe? Moi, je ne sais même pas. C'est un démon. Pourquoi nous ne le chassons pas? Les cultes masqués, c'est une preuve de faiblesse. Les cultes masqués, c'est une abdication devant le diable. Les cultes masqués, c'est la preuve qu'il y a un démon au milieu de nous. Et tout pasteur qui se respecte, tout ministre qui se respecte, qui se dit appelé de Dieu, et qui dit de sur quoi perfectionner l'épouse de Jésus-Christ, comment peut-il se tenir du haut de la chair et voir des gens-là qui sont masqués? Et ces masques-là sont la preuve ou le signe de la présence d'un démon. Mais de nous chasser d'abord ce démon pour ne rester qu'avec le Seigneur Jésus-Christ et des anges. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je serai au milieu d'eux. Là où Jésus arrive, la maladie disparaît. Là où Jésus arrive, la mort disparaît. Puis Jésus vint et Lazare ressuscita. Puis Jésus vint et la fille de Jaïrus ressuscita. Là où Jésus est, la maladie disparaît. Là où Jésus est, la mort disparaît. Là où Jésus est, les démons disparaissent. Mais c'est quoi ces masques? C'est quoi ces masques? Ne dites pas que ceux qui ne viennent pas parce que les églises ont rouvert les portes, que ceux qui restent à la maison des démons, ils n'ont pas de démons. Je pense qu'ils font même bien de rester à la maison pour éviter de venir prendre le démon là que vous admettez au milieu de vous avec des cultes masqués. C'est mieux qu'ils restent à la maison pour ne pas venir prendre ce démon là. Parce que c'est la preuve. C'est la preuve de l'apostasie. Nous avons perdu la foi.
il y a un problème. Nous sommes prêts à obéir hein, à ces gens-là, mais nous ne sommes pas prêts à obéir à une autorité spirituelle. Et il y a une autorité spirituelle au milieu de nous, Joseph Branham, qui nous a dit la conduite à tenir en ces circonstances. Voici ce que Joseph a dit, plus précisément, le 11 mai 2020. Je vais lire cela. Je vais juste lire un extrait. Puisque nous voulons obéir au protocole COVID, ce que les autorités ont dit pour obéir, pour éviter d'attraper le COVID et tout, nous sommes prêts à obéir à ça pour ouvrir nos églises. Mais nous ne voulons pas obéir à ce que dit l'autorité spirituelle. Un prophète sur la terre. Voici ce que dit Frère Joseph Branham le 11 mai. Il dit, comme vous le savez, nous avons tout fait pour nous conformer aux réglementations de l'État et des autorités locales tout au long de la pandémie du coronavirus. Ils ont ouvert des églises de petites congrégations si des méthodes de distanciation sociale sont observées. D'ici juillet, ils planifient d'ouvrir les églises de plus de 250 personnes avec la distanciation sociale. Frère Joseph dit, mes amis, si je savais que de nous rassembler physiquement pendant cette période était la parfaite volonté du Seigneur, nous nous rassemblerions nonobstant ce que dirait qui que ce soit. Il dit, si je savais que de nous rassembler physiquement, c'est la volonté parfaite du Seigneur, nous nous rassemblerions nonobstant ce que dirait qui que ce soit. Donc, Joseph est en train de nous dire qu'en réalité, ce n'est pas la volonté du Seigneur de nous rassembler en ce moment physiquement comme nous le faisons dans les églises-là. C'est ce qu'il est en train de dire là. Je continue et dis, nous donnons vraiment à César ce qui est à César, mais premièrement, nous donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit, cependant, je crois que nous sommes dans la parfaite volonté du Seigneur en faisant de nos maisons des églises de bandes durant cette pandémie. Je reprends. Cependant, je crois que nous sommes dans la parfaite volonté du Seigneur en faisant de nos maisons des églises de bandes durant cette pandémie. Durant cette pandémie. Est-ce que la pandémie est finie? Non. Je continue, il dit. Le Père a préparé son épouse durant ces dernières années pour cette période. Le Père a préparé son épouse durant ces dernières années pour cette période de cette pandémie. Donc, si c'est de cette façon dont il veut nous parler, recevons tout ce qu'il veut nous dire. Saisissons cette opportunité pour nous réunir avec nos familles, pour entendre la voix de Dieu pour notre génération qui est sa seule voix pourvue pour ce jour. Donc, la volonté parfaite de Dieu pour nous maintenant, selon ce que dit Joseph Branham, c'est que nous fassions de nos maisons des églises des bandes. Pour écouter Dieu nous parler au moyen des bandes. Et quand nous écoutons Dieu nous parler au moyen des bandes dans nos maisons, nous ne sommes pas masqués. Parce qu'il n'y a pas de démons, parce que le COVID n'est pas au milieu de nous. Mais nous avons pris le COVID, nous l'avons amené même à l'église. Température à l'entrée, masque à l'intérieur, distanciation dedans. Est-ce que nous faisons ça quand nous sommes à la maison? Non. Mais nous avons amené nous-mêmes le démon à l'église parce que nous ne croyons pas la parole. Donc, Frère Joseph, voici une autorité spirituelle qui nous dit que si je savais que de nous rassembler physiquement, c'était la volonté parfaite de Dieu, nous allions nous rassembler. Même si les autorités disaient, oh non, voilà, comme ci, comme ça, il dit, nous allions nous rassembler. Mais il sait que les églises ont été fermées à cause de la pandémie. Il sait que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, le Père nous a préparé ces dernières années, c'était à cause de ça. Et Joseph n'est pas surpris par ce qui arrive. Joseph n'a pas fermé l'église parce que la pandémie du coronavirus, non. Il le fait déjà depuis longtemps et vous le savez. Depuis qu'il est devenu pasteur de Branham Tabernacle, il a eu autant de services à l'église qu'à la maison. Et il a encouragé les gens depuis. Il a dit, faites de vos maisons des églises de bandes. Ouvrez vos églises, vos maisons, faites des églises de bandes. Il l'a dit depuis toujours. Les gens n'ont pas voulu le faire. C'est pourquoi j'ai dit précédemment dans une autre vidéo que c'est Dieu qui a permis l'arrivée du COVID pour pouvoir accomplir la parole de son prophète Joseph, pour contraindre les gens à entrer dans leur maison, pour écouter William Branham leur prêcher la parole. C'est ce qui est en train de se passer, mais les gens ne le comprennent pas. Malheureusement, pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Frère Joseph continue, dit, car son désir est que nous laissions tout le reste de côté et que nous ouvrions simplement nos cœurs à sa voix.
Il continue en citant la Bible, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est signé Joseph Marion Branham le 11 mai 2020. Quel est le reproche que Jésus a fait, si j'appelle ça souvent un reproche, à Cléopas et à Théophile sur le chemin d'Emmaüs? Quel était le reproche qu'il leur a fait? Il a dit, Luc 24, 25, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Nos cœurs sont lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus n'a pas dit lent à croire tout ce qu'ont dit certains prophètes et pas d'autres. Non, il a dit l'homme dont les cœurs sont lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Joseph Branham est-il prophète? Oui, il est prophète. Il est prophète. C'est une autorité spirituelle. Donc nous sommes prêts à nous plier à ce que disent les gens là, oh non, voilà, et tout ça, prélever la température à l'entrée, porter des masques, ouvrir les églises, ainsi de suite. Mais quand Joseph Branham dit que pendant cette pandémie, la volonté de Dieu est que nous ouvrions nos maisons pour écouter les bandes, ça nous ne voulons pas, parce que nous sommes attachés à l'église. Notre cœur est attiré par l'église. L'église est tellement plantée dans notre cœur que nous ne pouvons pas être chrétiens en dehors de l'église, à tel point que nous traitons de démons, d'être possédé des démons, les gens qui, malgré la réouverture des églises, décident de rester chez eux et écouter les paroles. Nous disons qu'ils ont des démons. Ils n'ont pas de démons. Ils ne veulent pas venir justement prendre part à des services masqués, à des cultes masqués. Parce que c'est une preuve même de faiblesse. C'est la preuve qu'au milieu de vous, le Covid est là. Vous avez invité le démon Covid dans l'église. C'est pourquoi vous êtes masqué. Vous ne voulez pas que les gens soient contaminés dans l'église. Marc 16, vous avez mis de côté. Jacques 5, vous avez mis de côté. La prière de la foi, il n'y en a plus. Un frère dans un état fiévreux, vous lui dites, tu ne rentres plus parce que tu as la fièvre. Tu es soupçonné d'avoir le Covid. Où est la prière de la foi? Où sont les anciens pour prier pour cette personne? Où est-ce qu'ils prient pour cette personne? Et où appliquer la prière de la foi? Où est Marc 16 qui dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils boiront des breuvages mortels. Les morsures des serpents ne leur feront rien, les scorpions, rien. C'est où? Où est la puissance? Où est la puissance? Ça veut dire que ce n'est pas tant la parole qui nous attire à l'église. Ce n'est pas pour la parole que nous allons aller. Nous y allons pour nos intérêts personnels. Nous y allons pour nos motifs égoïstes qui n'ont rien à voir avec la parole. Parce que la parole, on peut l'avoir même à la maison. Il faut madame dire, l'église, c'est partout où vous réunissez. Église, c'est partout où vous réunissez. En fait, ce qui se passe si nous sommes simplement en train de nous comporter comme la femme de Lot, qui, quand Sodome et Gomorrhe devaient être détruits, on l'a fait sortir, elle est sortie. Mais elle a voulu repartir là-bas, elle a regardé par-dessus son épaule gauche. Madame me dit que le cœur est là, du côté gauche. Elle avait Sodome et Gomorrhe dans le cœur. Quand elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. Beaucoup nous sommes en train de devenir des statues de sel aujourd'hui. On ne se rend pas compte. Joseph a dit que cette période, Dieu veut que nous fassions de nos maisons des églises pour écouter les bandes. Qu'est-ce que nous disons de ça? Hommes dont les cœurs sont lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voici ce que dit Frère Branham. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 111. Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train d'écrire ou ce qu'ils étaient en train de dire. Sinon, jamais ils ne l'auraient dit. S'ils avaient pu le comprendre. Voyez-vous? Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Poussés. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse, vous bougez. L'homme, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé aux prophètes qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque et de ce qui allait arriver. Voilà un virus qui est arrivé. C'est une époque dans laquelle nous vivons. Pourquoi nous ne consultons pas un prophète pour en savoir plus au sujet de cette époque et de ce qui arrive? Pourquoi? Nous voulons aller avoir des cultes masqués, des réunions d'église masquées. Pourquoi nous ne demandons pas à un prophète la conduite à tenir? Pourquoi? Voilà, nous avons oublié la parole. Nous avons oublié des écritures même élémentaires. Frère Branham dit, l'écrivain prophète doit être en communion constante avec l'auteur, voyez-vous? Il doit continuellement vivre en présence de l'auteur afin de savoir ce que sera le livre. Voyez-vous, l'écrivain prophète tenait la plume. L'écrivain prophète, Joseph a écrit.
Il a dit, Dieu veut que nous soyons dans nos maisons. Il dit que je sais que la volonté parfaite de Dieu pour nous, en ce moment, c'est que nous ouvrions nos maisons pour en faire des églises, des bandes. L'écrivain prophète tenait la plume, étant toujours prêt en communion constante avec l'auteur qui était Dieu, prêt à écrire sans ménagement tout ce qu'il lui disait de noter. Voyez-vous, cela montre quel genre de vie il devait. Une vie à part, isolée de tous ses frères. Isolée de tous ses frères. Moi, je ne crois pas aux églises masquées. De même que je ne crois pas aux bals masqués. Je ne crois pas aux cultes masqués. De même que je ne crois pas aux bals masqués. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous, l'heure est grave. Frère Branham dit que la marque de la bête, ce sont des membres d'église qui se sont accrochés à leurs églises au lieu de marcher dans la lumière. C'est ça la marque de la bête. La lumière, c'est la volonté parfaite de Dieu. La lumière, c'est la parole révélée du jour. La lumière, c'est la nourriture emmagasinée, le message du temps de la fin, la voix du septième ange contenue dans les bandes. Et ces bandes, nous les avons dans les maisons. La raison pour laquelle Dieu a fait enregistrer sa voix et que cette voix est contenue sur des supports, cassettes, CD, SD card, aujourd'hui dans les téléphones, c'est parce que Dieu qui connaît la fin avant le commencement savait que ces événements, ces périodes, cette époque s'il devait arriver. Et quand cette époque arrive, il ne doit pas y avoir de panique chez nous. Nous ouvrons simplement nos maisons, nous nous réunissons en famille et nous écoutons la parole. Mais pourquoi avons-nous perdu la lucidité? Pourquoi voulons-nous être chrétiens seulement au sein de l'église? À tel point que maintenant, même quand nous allons à l'église, nous commençons à faire ce que... à ne plus appliquer la parole. Je n'oblige personne à supprimer ces bals masqués du dimanche, ou plutôt ces cultes masqués. Que chacun fasse comme bon lui semble. Mais si je suis chrétien et que je sais ce que dit la parole, je suis ministre, je suis pasteur, je suis chrétien, c'est ce que dit la parole, et que j'ai assez de foi, un frère vient, lui prélève la température, il a la fièvre, je vais appliquer la parole, Jacques 5. Si il a le COVID et que je dois être contaminé, je me contamine, où est le problème? Et si le Seigneur, je veux que je rentre par le COVID, je pars, mais j'appliquerai la parole jusqu'au bout. La parole n'a pas dit si un frère a la fièvre, renvoyez-le, interdisez-lui accès au lieu du culte. Non, la parole a dit, les anciens vont oindre d'huile cette personne, ils vont prier pour lui, et la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelque péché que ce soit, il lui sera pardonné. Voilà ce que dit la parole. Voilà ce que dit Marc 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Et le COVID-19 est un démon. Assister au culte masqué, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu, une abdication. C'est une preuve que le COVID est au milieu de vous et que le pasteur qui est l'adieu de la chair n'est même pas si éveillé que ça pour le comprendre et pour d'abord chasser ce démon avant même de poursuivre dans tout ce qu'il veut faire. C'est un échec. C'est vraiment un échec. Qu'avons-nous fait de la parole? Qu'avons-nous fait de Marc 16? Et que faisons-nous de l'autorité spirituelle qui est au milieu de nous? Qui nous dit que la volonté parfaite de Dieu en ce moment, pendant cette période de la pandémie, dit Dieu nous a préparé, le Père nous a préparé durant ces dernières années pour cette période-ci de la pandémie. Pourquoi ne pouvons-nous pas obéir? C'est-à-dire que la façon que nous obéissons au protocole COVID, à ce que les autorités, les médecins ont dit là, pourquoi nous n'obéissons pas à Joseph Branham de la même manière? Parce qu'en réalité, nous ne croyons pas en lui. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce qu'est un prophète. Parce que si nous savions ce que c'est qu'un prophète, quand un prophète dit quelque chose, sa parole fait loi. On obéit. On ne régime pas. Parce que Dieu ne parle qu'à travers ses prophètes. C'est ça, Amos 3:7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs et les prophètes. C'est le seul moyen, c'est la seule voie pourvue. Et la voie pourvue par Dieu pour nous aujourd'hui dit que nous avons la nourriture emmagasinée, que nous pouvons manger dans nos maisons, que nous pouvons écouter dans nos maisons. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui dit que cette période-ci, Dieu veut que nous soyons dans nos maisons et que nous en fassions des églises. Qu'est-ce que nous faisons de ça? En fait, nous sommes simplement arrivés au paroxysme de notre incrédulité. Et ma prière est que Dieu nous fasse grâce. En tout cas, je le dis une fois de plus, moi je ne crois pas au bal masqué. Oh, je vais dire au culte masqué. Et je ne crois pas aux églises masquées.
je ne crois pas. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je serai au milieu d'eux. Puis Jésus vient. Et quand Jésus vient, la maladie disparaît. Quand Jésus vient, la mort s'échange en vie. Quand Jésus vient, les boiteux marchent. Quand Jésus vient, la puissance est là. Quand Jésus vient, on jette les béquilles. On jette les fauteuils roulants. Quand Jésus vient, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Quand Jésus vient, les masques doivent tomber. Et le COVID doit détaler. Mais quels sont ces bals masqués? Ou plutôt, ces cultes, ces églises masquées? Je ne sais pas d'où ça vient. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. And it cannot wither. Why? He's got predestinated fruit in there. Hallelujah. Glory. Glory. It can't destroy because it's predestinated. Amen. Now, Ephesians 5, 1 and 5, brother, it said, sitting together in heavenly places in Christ Jesus, what happened? He said, God, by his foreknowledge, predestinated us unto the adoption of children of God by Jesus Christ. Amen.